tout autour d'un verbe conjugué. Et dans une phrase simple, il y a un seul verbe conjugué et par suite, il y a une seule proposition. D'accord? La proposition dans ce cas, la proposition dans ce cas est une proposition indépendante parce qu'elle est seule. On dit elle est indépendante, ne dépend pas d'une autre proposition. Claire? Dans une phrase complexe, dans une phrase complexe, lorsque les deux propositions, c'est-à-dire il y a deux ou plusieurs propositions, lorsque les deux propositions sont, ou bien les trois, ou bien les quatre, sont reliées par un signe de ponctuation, comme la virgule, les deux points, ou bien la virgule, on dit les propositions sont juxtaposées, n'est-ce pas? Et aussi, ce sont des propositions indépendantes. Aussi. Mais lorsque les propositions à l'intérieur d'une phrase complexe sont reliées par une conjonction de coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car, on dit que les propositions sont coordonnées et elles sont aussi indépendantes. Oui, les élèves? Oui. Donc, on a vu des exemples. Oui, madame. Oui. Dans la première phrase ici, dans le premier exemple, les trois propositions sont reliées par une virgule et deux points. Les trois sont juxtaposées et sont indépendantes. Dans le deuxième exemple, il y a deux propositions reliées par car, donc elles sont coordonnées, on dit qu'elles sont aussi indépendantes. Dans le troisième exemple, il y a les deux premières sont juxtaposées, la troisième est coordonnée. Donc juxtaposées et coordonnées, elles sont aussi indépendantes. Indépendantes. Clair. Donc, maintenant, lorsque les deux propositions sont reliées par un mot subordonnant, comme ces mots-là, ou bien comme un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, avec lesquels, auquel, duquel, il y en a les dérivés de lequel, ou bien ces mots-là, dans ce cas, on dit les propositions sont subordonnées. Il y a une subordonnée, c'est celle qui commence par ces mots subordonnants. L'autre est une proposition principale. Donc, combien de natures de propositions on a? Indépendante, principale et subordonnée. D'accord? Indépendante, les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées. Subordonnée, c'est celle qui commence par un mot subordonnant. Et avec la subordonnée, il y a toujours une principale. Oui, les élèves? Oui. On a vu des exemples. Oui, madame. On a vu les exemples, les quatre exemples suivants. Victor réussira parce qu'il est sérieux. Et si on regarde, il y a « parce que » qui est un mot subordonnant. Oui? Donc, la proposition qui commence par « parce que », ici, elle est mise entre crochets, est une proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'il y a avec la subordonnée? Il y a une principale. Donc, la subordonnée, il y a une principale. Dans la deuxième phrase, le mot qui relie est que. Que aussi, c'est un mot subordonnant. Oui. Entre crochet est une proposition subordonnée et avec la subordonnée, il y a toujours une principale. Dans la troisième, le mot subordonnant, c'est don. Donc, la proposition subordonnée, c'est celle qui commence par don et avec la subordonnée, il y a principale. Mais dans la quatrième phrase, il faut faire attention. Parfois, on trouve que les deux propositions sont séparées par une virgule. Il ne faut pas dire directement elles sont juxtaposées. Puisque regardez cet exemple. Dans cet exemple, il y a lorsque, qui est
un mot subordonnant. Donc, les deux propositions ici ne sont pas subordonnées, car elles sont reliées par l'ordre. Mais lorsque ici commence la proposition, la phrase commence par l'ordre. Donc, les élèves, on ne doit pas se tromper et dire qu'elles sont juxtaposées à cause de cette virgule. Non, il y a l'ordre qui est un mot subordonnant. Donc, on a une proposition subordonnée par laquelle commence la phrase complexe et avec la subordonnée, il y a la principale qui est dans ce cas placée après la subordonnée. D'accord, oui, madame, d'accord. Yeah. C'est compris. Oui, quand tu as subordonné la phrase, madame, quand tu as subordonné la principale. Avec, oui, avec la subordonnée, il y a principale. Toujours avec la subordonnée. Oui, avec toujours. Oui, seulement avec la subordonnée. La subordonnée, il y a une principale. Oui? Oui, oui. Mais parfois, les élèves, il y a une seule principale et deux subordonnées pour la même principale. Donc, chaque proposition qui commence par un mot subordonnant est une proposition subordonnée. Oui. D'accord? Oui. Travaillons maintenant l'exercice dans le livre. Quelle page? À la page 53. Oui. Oui. Beaucoup d'images. Oui. Comment? Quoi? D'accord, là, je viens. On commence. Dans le premier exercice, on nous demande de repérer les verbes conjugués et indiquer si les phrases sont simples ou complexes. Donc, c'est seulement dire simple ou complexe. D'accord? Oui. Yann, Jana, comment? Oui, madame. Qui est là, Jana? Oui, madame, je peux. Qui est là? Après, Jana, Yaya. La phrase, madame, vous ne m'entendez pas? Madame, si. Madame, on entend. Les autres, vous m'entendez bien ou bien c'est pas clair? Non, madame, c'est très bien. C'est très bien. Madame, c'est bien. Essayez de nouveau. Sadine, dhali ou j'ai foutu? Madame, madame, je m'en fous, je passe. Yala, Jana, comment? Oui, madame. Oui. J'aimerais tellement visiter un jour les pyramides d'Égypte. D'accord. Repère les verbes conjugués. Madame? Oui. Madame, il y a j'aimerais. Oui. Et il y a visiter. C'est conjugué, il est à l'infinitif. À l'infinitif, on ne le compte pas. C'est une phrase simple. Conjugué, il y a Yajana. Madame, il y a un seul verbe conjugué. Ensuite, la phrase est simple ou complexe? Madame, elle est simple. Donc, de combien de propositions est formée cette phrase? Madame, une seule proposition. Comment on l'appelle cette proposition? Quoi, madame? Comment on l'appelle, la proposition qui se trouve seule? C'est indépendant, subordonné ou principal? Indépendant. Bravo, indépendant. Donc, il y a, Jana, indépendante, si la proposition, la phrase est simple, elle est formée d'une seule proposition indépendante, si les propositions sont juxtaposées ou bien coordonnées. Oui, Jana? Oui. Dans ces trois cas, les propositions sont indépendantes. Oui. Yala, la deuxième phrase. Oui. Le Nil prend sa source dans le lac Victoria et se jette dans la Méditerranée. Méditerranée. Oui. Et encore, il y a seulement.
Elle se jette. Madame jette. Se jette. Madame, elle me tente. Elle se jette. Non, Sadine, c'est de chez toi. Madame. Pourquoi? Peut-être la connexion de Sadine chez toi est faible. Oui, madame. Oui, Yara, se jette. Oui. Et le bête se jette. Oui, oui, madame, prends et jette. Se jette. Se jette. Un verbe pronominal. Donc, combien de verbes, Yara, il y a? Il y a deux verbes. Donc, c'est simple ou complexe? C'est une phrase complexe. Yara, combien de propositions il y a dans cette phrase? Deux propositions. Combien? Deux propositions. Deux. Comment sont reliés, Yara? Par quoi? Par quoi sont reliés? Madame, par proposition coordonnée. Car il y a et la conjonction de coordination. Donc, quelle est leur nature? Quelle est leur nature? Sont subordonnées, principales ou indépendantes? Indépendantes. Indépendantes. Bravo. Bravo, Yara. Comment dans une phrase simple, lorsqu'il y a une seule proposition, c'est indépendant. Lorsque les propositions sont juxtaposées ou lorsqu'elles sont coordonnées. Okay. Maintenant, on a révisé, Ali. Tu n'as pas écouté la révision? Oui, madame, c'est long, c'est long. Puisque moi, je fais une révision. On a hier expliqué. Walid, la phrase 3, yalla, il nous reste 4 minutes. On nous a donné 10 minutes. Oui. Puisque c'est 46 maintenant. Oui. Yalla, ya, Walid. Walid. Ah, il a quitté Walid. Madame, je peux. Là, les élèves qui ont travaillé, non. Qui a dit je peux, moi? Yanni Yara, non, Jana, non. Moi, Ali. Yalla, Ali. Oui, madame. Yalla, combien de verbes la phrase 3? Les égyptiens pensent qu'il existe une vie après la mort. D'accord. Pense seulement? Un seul verbe. Non, pas un seul verbe. Pense et il existe. Il existe. Donc, c'est une phrase simple ou complexe? Phrase complexe. Maintenant, Yali, comment sont reliés? À l'aide de quoi? Ils sont reliés à l'aide de fil. De que? D'accord? C'est quoi que... Bravo, c'est un mot subordonné. Yani, il y a une proposition subordonnée et une principale. Quelle est la proposition subordonnée, Yali? C'est celle qui commence par que. Les Égyptiens pensent que c'est la... Allez, écoute. Celle qui commence par que... Yani, qu'il existe une vie après la mort et la subordonnée. L'égyptien pense la principale. Et l'autre qui commence par que est la? Ça, c'est la proposition subordonnée. D'accord. Maintenant, Tarek. Oui. Yalla, Tarek. Le Nil se termine par un delta. Madame, simple. Combien de verbes il y a? Montre-moi où est le verbe. Madame, se. Non, se termine. C'est le verbe se terminer. Oui, madame, se termine. Hein, qu'est-ce que... Ah, d'accord. Donc, il y a un seul verbe, donc c'est une phrase simple. Combien de propositions il y a, Tare? Par. Là, combien? Non. Tare, combien de propositions? Chaque verbe, Tare, correspond à une proposition.
Il y a un seul verbe, oui. Donc il y a une seule proposition qu'on appelle proposition indépendante. Oui, oui. Oui, Tare? Madame? Oui. Madame? Oui. 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 Pose ta question en français, s'il te plaît. Oui, Ayala, quelle est ta question? Madame, je dis, cette phrase est reliée par pas. Non, bien sûr, il n'y a qu'un seul verbe. Il n'y a pas de proposition reliée ici. Il y a un seul verbe, une seule proposition. Oui. Oui, c'est une phrase simple. Et donc, il y a une seule proposition indépendante. Il n'y a pas de proposition reliée ici à Ciara. Tu as compris? On a terminé 50 minutes aujourd'hui. Yala, c'est bien. On a travaillé 50 minutes. On s'arrête. Pourquoi 50 minutes? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais Madame Walid a dit sur le groupe. Vous êtes chanceux aujourd'hui. Yala, on a travaillé 50 minutes aujourd'hui. Yala, à bientôt les élèves. Oui. Oui, à bientôt, madame. À bientôt, madame. À bientôt, madame. Au revoir. Au revoir. À lundi. À lundi. À lundi. Inch'Allah.